Soldat à la lutte militant, c'est nous les reines, nous morceaux. La lutte n'est pas bien facile. Dans les années 30, Maurice Anko et une colonie britannique dans le monde dominé par une tension dans relations internationales. Et 4 années plus tard, deuxième guerre mondiale éclatée. Dans la colonie Maurice, c'est une période marquée par la douleur, la souffrance, la misère. Dans Caro, dans l'usine, descendant esclaves et coulis trimés pour 2-3 roupies, alors qu'il malaoya peut faire ravage dans le pays. Malgré tous efforts depuis visite Mahatma Gandhi en 1901, qui tient envoyé Manila Docteur en 1907, pouvoir colonial, et que l'oligarchie maintenait son exploitation inhumaine des man travailleurs. 1936, le docteur Maurice Curé commence à mobiliser la classe travailleuse et qui fait un premier meeting le 23 février dans Champ des Mos. Se revendique un représentant travailleur dans le conseil législatif et 3 fers syndicats. Parti travailliste prend naissance à l'eau comme un parti pour défendre travailleurs. Anctil, Curé, Pandit Sadeo fait l'étau au pays pour mobiliser classe travailleuse pour réclamer de meilleures conditions de travail. Août 1937, travailleurs descendent le coltor, l'établissement Union Flac, patron tiers coup de balle, 10 sans couler. Le 1er mai 1938, Docteur Curé rassemblait 35 000 travailleurs pour la première fois pour célébrer Fête du Travail dans Champ des Mos. Travailler à travers le pays, lève la tête pour réclamer meilleures conditions de la vie. Témoignage de Madame Lorraine Domingue, petite-fille de Docteur Maurice Curé. Mais c'était le peuple était pour lui. Et c'est de là où il y avait tellement de misère, c'est là où il décide de former ce qu'ils appelaient une société de bienfaisance. Une année après que il rencontre Anctil. Anctil était retourné d'Angleterre et avait appris que mon père avait fondé un parti. Il est venu voir mon père. Et comme en Angleterre, il avait travaillé pour les Trade Unions, c'est tout. Donc à ce moment-là, il est rentré dans le parti avec mon père. Et donc, ils ont été un peu plus en avant. Et c'est de là où il était l'idée de dire qu'il faut absolument que le peuple puisse voter. Pour lui, c'était que le peuple ait le droit de voter. Et qu'on les aide, parce qu'à ce moment-là, le peuple n'avait aucun droit. La grève éclatait dans Duc en septembre 1938, et que pouvoir colonial servit répression, mettre l'état d'urgence, que Reagan House arrest, et qu'Anctil déporté vers Rodrigue. Parti travailliste à Zenou. Mais travailler, il finit comprend. Sans l'unité, pas pour innocencement. Deuxième guerre mondiale éclatée en 1939 et que situation vint plus difficile dans le pays. Mais le pouvoir colonial continue de défendre juste l'intérêt de l'oligarchie. 1943, nouveau soulèvement travailleur. Et que 10 ans coulé encore une fois, Anjali, une madame enceinte, perdit la vie dans Bellevue Arel. Conscience des classes finit prendre racine dans la classe travailleuse. Après la guerre, colonie Maurice gagne une nouvelle constitution. Et que tout le monde qui connaît lire et qui écrit une phrase dans n'importe qui 9 langues qui peut servir dans le pays, gagne un droit de voter. Électorat sorti 2% de population, livine 38%. Mais malheureusement dans la politique, démocratisation man stricture amène une ethnicisation, man enjeu avec l'émergence masse politique. Man parti politique servit ethnique politique. Communaliste lève la tête. 6 phrases universelles. Un Jimoun, un vote. Introduit en 1959. Mais des populations Maurice bien divisées. Une attention communale entre hindous et créoles en 1965. Et bagarre communale éclatée entre créoles et musulmans en janvier 1968, 3 mois avant l'indépendance. Un pays déchiré par la haine communale, à Zenou, à cause crise économique et sociale avec Somaz. Les pépines perdent tout espoir. C'est à ce moment crucial de l'histoire de nos pays qui MMM prend naissance. Une nouvelle génération banzen mauricien lève la tête pour inventer un vaccin contre virus communal pour qu'il nous pays pas réveille sa ban événement dramatique comme en 1965 et 1968. Jamais ça encore. Vinalo,
les qui est combat des bandes militants MMM. MMM prend cela source depuis Club des étudiants en 1968, qui par la suite vient Club des étudiants militants. Un petit groupe étudiant qui zoène et réfléchit sur l'avenir Maurice. The priorité, l'unité nationale et développement pays et reconnaissance d'une langue nationale, créole mauricien. Se descendre au terrain, faire causerie, faire débat, pour mobiliser travailler avec la jeunesse. Mais gouvernement travailliste servit répression avec la police, CID, perquisition, interdiction de manifestation et arrestation de militants pour essayer de casser les reins à groupe jeunesse là. Maurice Tiffinger sur l'indépendance. Mais tu commandes pied banane dans cyclone. Une société fragile. Une économie qui est dominée par une ancienne puissance coloniale qui contrôle tout un secteur essentiel. Pour dénoncer sa capitaliste coloniale là, Club étudiant militant fait une manifestation au rond-point Saint-Ans en septembre 1969. À l'occasion, visite la princesse Alexandra et son mari, qui tient gros actionnaire dans plusieurs établissements de Maurice. La police s'osé, coup de matraque et 18 militants arrêtés. Sa manifestation là, l'acte fondateur des mouvements militants mauriciens. Club étudiant militant, vin MMM, avec ce ban structure, ce constitution, ce code membre. MMM prend naissance pour remplacer la lutte des races par la lutte des classes et reprend flambeau la lutte petit travailliste de Dr. Kiré, Anctil et Pandit Sadeo. MMM fait sa priorité vin l'unité les peuples maurice, pour qu'ils disent en communal, jamais encore sur la terre maurice. Et pour tiers mauriciens depuis sous-développement et quand même progrès dans le pays. Ce symbole, un l'équerre. Ce couleur, mauve. MMM commence à faire meeting dans quatre coins Maurice et lance la gazette. Le militant, le 17 décembre 1969. Il y a eu une déviation. C'est pourquoi il s'est retourné vers Béranger. Comme je vous dis qu'il voyait que Béranger continuait le travail que lui il avait commencé. C'est la première fois que Béranger se présentait à une élection. Mais après, comme je vous dis, c'est après sa mort que j'ai réalisé qu'il correspondait avec Béranger, parce que j'ai vu des brouillons de lettres et j'ai vu des reçus de lettres enregistrés à Béranger. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait une grande admiration pour Béranger. Gouvernement post-travailliste avec PMSD viole démocratie. Amende constitution pour renvoyer l'élection générale. Partout que vous êtes passé, ban militant MMM attire la foule par ce langage nouveau, cette analyse politique et économique. Ce ban nouveau l'idée pour amener progrès et développement pour tout du monde et consolide l'unité nationale. MMM engage lui activement dans la lutte syndicale pour défendre ban droit ban travailleurs. Et mettre du bout, General Workers Federation, GWF. La flamme la lutte syndicale reprend. Pareil comme en 1936. Et gagne la grève dans le secteur DIT, dans l'usine, dans CEB. Et commence qu'elle ban branche MMM partout dans le pays. Pour bloc monter MMM, gouvernement, coalition, parti travailliste PMSD, mettre l'état d'urgence. Et interdit meeting pour une période de 3 mois, à partir 1er mai 1970. Parti travailliste et PMSD prolonge l'interdiction meeting. MMM décide pour défier sa interdiction là. MMM fait un meeting dans son démence en août. 4000 dimouns présents. Et que la police arrête Paul Béranger pour lui pas capable de causer. La police servit gaz lacrymogène, matraque et clichien loup pour disperser la foule. La police logue Paul Béranger le 19 août. Gouvernement parti travailliste PMSD montre ce vrai visage antidémocratique. Et que faire perquisition, code ban militant, et que faire arrestation. Le 21 septembre, gagne une élection partielle dans Triolet Pamplemousse. Et qu'elle même mette candidature David Rassoumi. Campagne bat plein, avec beaucoup de militants et de travailleurs. La veille élection, ban tapé agresse Paul Béranger et ban militant devant municipalité pour lui. Et que tire coup de balle, la police arrête Paul Béranger et Farid Matar. Et qu'accuse de tentative d'assassinat. Jour élection, Paul Béranger dans prison. Et quand résultat tombé, Davy Rassoumi fin remporte 72% vote. Et lui fin bat candidat travailliste pour plus que 5000 voix. Ban sympathisant MMM manifesté dans Rosilek pour lui. Et que la police oblige libère Paul Béranger. À soir, la police tient coup de balle. Et qu'un garçon 6 ans, Marcelino Bell, perdit la vie.
L'unité ban travailler amène un premier résultat. Ziz Ramphol impose reconnaissance syndicat et brise zèl salaire. Gouvernement parti travailliste PMSD réalisé qui MMM peut venir un parti politique faux et qui en a soutien la classe travailleur. Se décide pour dire sur répression. Se met public order act POE pour empêcher MMM faire ce ban activité et mettre son ciel au la gazette Le Militant. Le 7 octobre, Farid Mata perdit la vie à la suite d'un mystérieux accident d'auto. Et quelques semaines plus tard, le 25 novembre, ban tapé fait un attentat contre Paul Bérance et Dokiepip. Azo Adelaide, un camarade docker, perdit la vie. Balrat Paul Bérance des prêts et que se brille sur le tout. En décembre, Ramgoulam décrète l'état d'urgence. Et 4 jours plus tard, la police met scellé l'eau la gazette Le Militant. Janvier 1972, répression battait plein l'eau ban militant même. 20 militants, dont Paul Bérance emprisonné. Se passe presque une bonne année dans Kassou, sans procès. L'Igiclé à l'eau pour ban militant MMM, qui la lutte pour démocratie, la justice, pour demande beaucoup sacrifice, beaucoup courage. Soldat la lutte militant, c'est nous les reines, nous morcer. La lutte n'est pas bien facile, jamais pas bien fatigué. L'ennemi partout peut bouger, pas besoin nous payer pour avancer. Dans la lutte, peine à récompense. Si la vérité nous sincère, le ou pas cimetière ou à guetter, pas l'homme du sang qui coulait. Tonton Azo Adélaïde, Farid Matop est reposé. Dans la lutte, combien finale. Pas connaît combien pour tomber. Ça même la telle île Maurice, comment tient pas ma paix souffert. La voix maman dit mander, sacrifice les pépis à faire. Quand même canon pour danser. Quand même physique pour santé. Soldat la lutte militant, c'est à nous les reines nous marcher. Combien cyclone pour venir, pas laisse nous la tête à le baisser. Soldat la lutte militant, soldat la lutte militant, soldat la lutte militant. Mai 1975, étudiants, sommaires, zénès, levés pour dénoncer inégalité dans le système d'éducation. La grève partout dans le collège. Rayeux de service, gaz, lacrymogène, violence, répression, l'eau, pont, grande rivière. La zénès prend conscience de son rôle, comme une la fausse transformation. Élection générale 1976, une seule causée fait les tours Maurice. MMM, balier carreau. Parti travailliste donne l'éducation gratis comme en bribe électoral la veille élection. 30 candidats MMM élis et gagnent 4 best losers. 7 ans après sa naissance, MMM vient plus grand parti politique grâce à la force la jeunesse et travailler. À partir de 1977, MMM amène un grand changement dans ma municipalité et commence décommunalise pour. La lutte continue. La grève de la faim en 1979. Paul Bérance et les autres camarades font la grève de la faim pendant 11 jours pour réclamer réintégration des travailleurs licenciés pendant la grève et reconnaissance syndicale laboureur et artisan. Répression avec Riot Unit, SMF bat plein. Gouvernement signe l'accord, mais pas respecter ses paroles. La grève de la faim encore une fois en 1981. Cyclone, sacrifice, coup de matraque, répression, censure, prison. Tout ça la lit là, parti d'envie. Les 11 juin 1982, les peuples Maurice, levés comme un seul dimoun. Travailleurs, femmes, zénés, tontons, tantines, 60-0. Les peuples balier carreau. Donnez une correction à parti travailliste et que cela allié PMSD. Jamais sans démence fin trouve autant d'immunes. Jamais courant fin passe autant en tant de parti politique et que les peuples.
L'espoir est net. Un nouveau page d'histoire commence à écrire. Gouvernement MMM-PSM fait un grand pas pour démocratie. Amende constitution pour garantir élection chaque 5 ans. Et rétablit élection partielle. Mais malheureusement, ben l'ennemi les peuples préfèrent cette cabale. Medzem division. Kassir 1983. MMM continue sur la lutte. Avec même courage contre Banaz en division. Pour l'unité, la justice, la démocratie. Élection 1983-87. L'alliance bleu-blanc-rouge, Patikon coulé à l'arc-en-ciel. Et dans le développement, mais dans la division. L'injustice et l'immoralité, trafiquant la drogue. Amsterdam Buzz roule gouvernement. 1990. Famille militante réunie. MMM et KMSM prend gouvernement dans l'élection 1991. L'entente pas durée, mais MMM réussit à faire Maurice Francis ce dernier étape dans ce décolonisation. Maurice vient une république et président prend place gouverneur général. Navin Ramgoulam tient 9 chars leaders de l'opposition. Jack Nat convoque Paul Mazo Odi Poudimé pour faire Navin Ramgoulam perdre sa place député. Fidèle à ce bon principe, Paul Béranger lève sur la voie pour dénoncer sa complot-là. La cour trouvait qu'il y a colorable device. Et Ramgoulam regagne ce siège député. 1995, l'Alliance Parti Travailliste MMM, deuxième 60-0 dans l'histoire pays. Mais Ramgoulam pas respecté programme gouvernemental et dirige pays en badinaz. 1999, émet dans pays après la mort Kaya. Pendant 72 heures, Maurice peine à gouvernement. Dimoun perdit la vie avec balle la police. Rapport Matadine plus tard vient établir la vérité de sa complot contre la nation mauricienne quand MSM et KMMM prend pouvoir en 2000. 2000-2005, jamais Maurice fin gagne gouvernement aussi stable. Jamais fin gagne gouvernement qui fin fait autant de développement dans un mandat. Développement partout. Divan ou la pote. Pour tout du monde. Premier ministre, ministre, député, travail. Travail. 36 nouveaux collèges construire. 47 000 nouveaux emplois. Nouveau secteur pour l'économie. ICT dans nouveau la ville ébène. Seafood Hub. IRS démocratise l'information avec radio privée. Amène un combat pour faire la pauvreté disparaître. Paul Béranger vient premier ministre en septembre 2003. Maurice fait un grand pas avant même Barack Obama dans l'Amérique. Les peuples Maurice reconnaissent que tout du monde égale au latin Maurice, qui chacun est dans le même sens, qui méritocratie plus faux, qui communalise. Depuis 2005, MMM peut continuer sur la lutte pour consolider la démocratie et l'unité nationale, et peut dénoncer fraude, corruption, qui peut pourrir nos pays. L'IP prépare pour la prochaine élection générale, avec une équipe renouvelée. Beaucoup zen, beaucoup madame. Pour son anniversaire 40 ans, MMM envie célébrer avec les peuples Maurice se passer et envie construire l'avenir de nos pays avec et pour les peuples Maurice. Personne pas propriété à nous destin. Personne pas propriété à nous vote. Si ou, moi, nous envie, nous capables de transformer nos pays, nous capables d'écrire encore une fois un nouveau page, nous l'histoire. Nous capables de faire nos pays venir un modèle pour la démocratie, l'unité nationale, la justice sociale, la liberté. Nous capables, nous capables. Célébrer le passé, construire l'avenir, c'est le slogan qui est le MMM choisi à l'occasion de son 40e anniversaire. Célébrer le passé, construire l'avenir. Célébrer le passé, c'est d'abord rappelle la lutte héroïque qui le MMM a menée à partir de 1969 pour barrer la route au communalisme après une bagarre communale de 1965 et 1968 et pour barrer la route à la dictature après le renvoi des élections générales en 1969 et le règne des tapeurs à cette époque-là. Oui, en vérité, le MMM à partir de 1969, il y a un véritable rempart contre le communalisme et le dominaire. Célébrer le passé, c'est rappeler l'action du MMM à partir de 1969 pour rendre notre dignité à bande travailleur, rendre notre syndicat, permettre
brise de gel des salaires qui tiennent à l'époque-là et améliore notre condition de travail. Célébrer le passé, c'est rappeler comment, à chaque fois qu'il nous finit au gouvernement, en 1982 et en 2000 surtout, qui manière nous ne gardons parole, nous ne faisons ce qu'il nous dit nous pour faire, nous finissons nos programmes, avant tout, consolide l'unité nationale, consolide la démocratie, plus de justice sociale. Célébrer le passé aussi, c'est rappeler qui manière, surtout en 1982 et en 2000, nous fîmes redresse le pays. Et célébrer le passé, c'est aussi rappeler qui manière le MMM tout au long de l'histoire, quand nous fîmes dans l'opposition, nous fîmes dans l'opposition patriotique et responsable. Célébrer le passé, construire l'avenir. Construire l'avenir, c'est avant tout, à l'occasion d'une prochaine élection générale, offrir un choix clair à la population. Un choix absolument clair. C'est faire la population bien comprendre, et surtout les jeunes, qui tout politicien pas pareil, tout politicien pas roulé à bout. Et nos politiciens et politiciennes qui ont un principe, qui ont la sincérité et qui ont le courage de faire ce qu'ils disent de pouvoir faire. Construire l'avenir, c'est redresser le pays. Encore une fois, redresser le pays comme on nous a fait en 1982 et en 2000. L'eau la base d'une équipe solide, une équipe d'hommes et de femmes compétentes, sincère, dévouée, et l'eau la base d'un programme. Un programme basé sur 5 points surtout. Premièrement, combattre la corruption et le trafic de la drogue et du subutex. Deuxièmement, mettre la compétence et la discipline au sommet de l'État pour remplacer la gabegie qu'il y a actuellement à la STC, à la CNT, pas à tous côtés. Troisièmement, redresse et consolide la démocratie. Avec ce qui peut passer, MBC, avec l'introduction de bonne télévision privée et avec une bonne réforme électorale. Quatrièmement, beaucoup plus de justice sociale, avec un meilleur partage de la croissance économique. Et cinquièmement, toujours consolide davantage l'unité nationale dans la diversité et avec l'exemple venant d'en haut. Et avec sa conviction qui, n'importe qui c'est, n'importe qui communauté va appartenir, ou en a droit, aspire au poste de Premier ministre ou à n'importe quel poste. Ces cinq points-là, depuis 1969, li ban point clé dans lequel nous la lit, nous n'amène li, et qui aujourd'hui plus d'actualité qu'ils amènent. Construire l'avenir. Au-delà de tout cela, concernant le MMM lui-même, c'est préparer la relève après les prochaines élections générales. Et moi, je suis pleinement satisfait. La relève est déjà là, et de plus en plus de jeunes peuvent rejoindre le MMM dans ce combat. Enfin, construire l'avenir, c'est dire non, aujourd'hui, à la politique de la haine qui certaine du monoparti travailliste pratiquée presque tous les jours. À l'occasion du 40e anniversaire, ce qui me tient content de trouver, c'est un retour aux sources. Qu'il le MMM retourne aux sources. Qu'il le MMM ressource et dit. Et qui nous renoue avec ça l'idéalisme qui t'anime le MMM tout au long de ce bon premières années. Semlinité tout côté, communalis résédé, dans l'unité nous morcer, dans l'harmonie, dans la paix, moi par écoulé progrès, moi par écoulé progrès. Pas de couler à
religion arrêterait division. Pensez qu'il y a une seule nation à nous prendre même direction. Solution. Na 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 na. Sem linite du côté, communalis résédé. Dans l'unité nous mancer, dans l'harmonie, dans la paix. Noir va récolter progrès. Noir va récolter progrès. I'm a man.